Est-ce que tu arrives à réaliser que tu vois, dans une semaine, on ne sera plus voisine? Oh non, ça c'est vrai. Moi j'arrive tellement pas à réaliser que ça va être une rentrée. Genre dans ma tête, les rentrées c'est scolaire, genre j'y vais, je revois les mêmes personnes chaque année. Là non, c'est différent. C'est notre ville. Alors, je vous avoue que jusqu'à, même actuellement, j'ai du mal à réaliser, mais plus j'avance, plus je réalise ce qui se passe. Mais c'est particulier. Et à la fois, du coup, ça a créé une hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, les gars, je vous dois des explications. Je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé ces deux derniers mois. D'abord, bonne nouvelle. On a tous eu notre bac. Yeah. Ensuite, l'été a commencé avec l'anniversaire de Manon. Et ensuite, chacun a fait sa petite vie. Lilia et moi, on est allés travailler. Et pendant ce temps-là, Sarah était en Espagne et Manon était en Corée du Sud. Ensuite est arrivée la fin de l'été et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, c'était le début d'une nouvelle vie. Qu'on allait plus voir autant qu'avant. Qu'on allait chacune aller dans des villes différentes. Sarah et moi avons emménagé ensemble. Et ça, c'est un rêve qu'on voulait réaliser depuis bien des années. Plein de personnes nous ont dit que ça allait être galère, qu'on allait s'engueuler, que ça allait pas fonctionner, ou alors même que ça n'allait jamais se réaliser. Et bah, vous savez quoi? On a réalisé notre rêve. Et de base, je voulais faire une vidéo sur ceci. La réalisation de notre rêve, habiter ensemble. Sauf que, au moment où je voulais réaliser la vidéo, il y a eu plein de changements, de programmes. Et de toute façon, je vous spoil pas, vous allez tout voir dans la vidéo. Il va falloir, c'est prendre l'abonnement à Opus. Comment ça l'abonnement? Ah, le plafond. Mmh. Il faut mettre l'électricité, hein. Ouais, oui. Bon, tu vises après avec la lumière. Apprenez-moi à réfléchir dans la vie. Maman. Ta mère. Bonsoir Paris. Yeah. Il y a beaucoup de bruit. Oui, on est sur la place de la Comédie. Et on aimerait bien voir le relais de la flamme paralympique, mais on sait pas si on va la rater ou pas. Ouais. Là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et... flamme olympique. Là. Flamme olympique. J'ai pensé dans des gens. Il y a une flamme olympique à côté de nous. Là, là, on marche à côté de la flamme olympique. Pourquoi ils courent comme ça? En fait, ils nous fuient. Oui, c'est mon nom. J'arrive pas à réaliser. Je pense qu'il court plus que nous. Je pense qu'il court plus que nous. Mais en même temps, c'est les Jeux Olympiques en France. Oui. C'est pas rien. C'est pareil. On va regarder ce soir.
sur tous les réseaux si on apparaît. Mais oui. Sur toutes les télés. Vous êtes... Non, pas de blague comme ça. Le chiffre prend la perche. Ah oui, j'imagine qu'il prend la perche. Les Jeux Olympiques en France, ça a animé tout l'été. Genre, je me rappellerai toujours, je rentrais du travail, j'allais regarder la finale de Léon Marchand. Attention, juin, mai, août, avril, septembre, mars, octobre, février, novembre, janvier, décembre. Là, on est en août. Yeah. On est là pour les vlogs d'août. Ça se trouve, Léna Situation va venir. Hein. Regarde, non. Ça se trouve, elle est là. Ouais. Moi, j'ai vu des cheveux tout à l'heure, je me suis dit, ça se trouve, c'est elle. Mais je crois que c'était pas elle en fait. Ah, mais attends, on peut pas y accéder. Parce que on peut y accéder que de l'autre côté, parce que là c'est vraiment les gens qui ont d'abord été fouillés pour l'Olympique. Mince, bon bah il n'y aura pas de photo Insta les gars. Alors, je refilme. Ah, on va se mettre à la bonne lumière. J'espère que j'ai pas une tête de cafard. On se retrouve à l'appartement. Alors, on se retrouve à l'appartement encore une fois. Enfin, remarque que ça date. J'ai arrêté de filmer après la fameuse flamme olympique, tout ça. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'on était plus de batterie. Du coup, là, on est à l'appartement parce qu'on était trop crevés. Et on va aller chercher une pizza. Voilà. On a la pizza. Waouh, elle est trop belle, elle est trop sexy. Waouh, on va la dégommer celle-là. Ah ouais. Elle là, elle est trop bonne. Là, on va finir dans nos estomacs. Exactement. On n'a plus beaucoup de batterie. Il est 22h et on a allumé une bougie. Bah, mais je pense qu'on va pas s'endormir tard. Non, franchement. Comme ça, on sera en forme demain. Ouais. Puis même dormir, c'est bien. Hein. C'est agréable de dormir. Vraiment, c'est trop sous-côté. Voilà, donc à demain. Et ce vlog aménagement est très, très, très aléatoire. Très random. Voilà. Et on parle en même temps que Léna en plus, c'est un crime. Ouais. Non mais oh. Mon dieu. Fuck you. My love was lost. Hey, hey, where'd you go? Now we found. Oh yeah. Where'd you go? Doing a happy dance. Les gars, vous voyez les petites lumières là-bas? Ben nous on était là-bas. Et comme on n'a pas de voiture, ben du coup on a fait tout ça à pied. Voilà. Et vraiment c'est terrible actuellement. C'était 14 minutes, on arrive au tram, et après on a 40 minutes de tram. Mais il y a 40 kilomètres de j'espère que quand on va rentrer, on va poser et on va expliquer ce qui s'est passé. On est en train de faire un shooting photo. Avec des bougies. Parce qu'on n'a pas d'électricité. Voilà. Mais bonsoir. Bonsoir. Je vais où là? Bonsoir. Je vais aller me doucher. C'est bien. Wow. Bonne douche, Lilia. C'est stable, hein. Ok, c'est trop bien.
Elle veut être dans les vlogs, les gars. Elle veut être dans les vlogs. Elle veut être dans les vlogs, s'il vous plaît. Faut qu'on parle. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était hier à 1h du matin quand on rentrait du tram. Donc nous sommes rentrées vivantes. Voilà pourquoi. Parce que du coup, on a continué notre chemin et ensuite on a croisé une Julie. Merci Julie, big up à toutes les Julies. Du coup, parce qu'elle nous a récupérés. Genre, c'est une fille qu'on connaît pas. Elle s'est arrêtée, elle nous a dit ça va. Et du coup, on a expliqué la situation. Et on est monté dans sa voiture, elle nous a ramené chez nous. Donc Julie Banger, Julie, merci. Et donc sans transition, nous sommes cette fois-ci pour l'anniversaire surprise de Lilia. Voilà, les timings. Donc de base, c'était un vlog aménagement, entre guillemets. Et voilà. Bon, on a une blessée. Pourquoi il est méga gonflé là? Non, mais on... Attends, tiens-moi ça, je vais jeter. Attendez. Putain, je suis en train de filmer et elles sont en train de mourir. Au revoir. On les met de l'autre côté. Je trouve pas à qui est le jambon. Fabien, tu vas faire le taxi. Sympa, hein. Bah aux urgences, parce que même si c'est rien, genre... Ton métier, c'est là. Orca, t'as de l'avocat? Ah, j'ai trop envie. J'ai trop envie de l'avocat. Viens, on va en acheter une. Mais grave, mais oui, mais j'ai envie d'acheter de l'avocat. Ah, mais si vous voulez, je peux cuisiner pour vous. Mais grave! Mais non, pas ça. Allez, mais nous, on va faire à quelle heure? Allez. 22h, bah vas-y, c'est bon. Ça y est, les gars. L'eau est revenue. Nous avons de l'électricité. Vous savez, les casseroles qu'on avait achetées, c'était pas des casseroles à induction. Ça veut dire que si on avait eu l'électricité ce week-end et qu'on avait genre voulu faire des pâtes, et ben la plaque aurait explosé. Ça veut dire, heureusement qu'on n'avait pas d'électricité. Comme quoi, le destin est bien fait. Vas-y. Allez, encore des petits achats, ça fait plaisir de perdre de l'argent. Vous êtes bordé. Et les plantes de la maison. C'est le bien rentrer. Hop. Maman, tu as tout cassé. Oh la la la, I'm gonna need to hear you say it out loud. Cause I love it when my name slips out your mouth. Il s'est passé un truc, c'est qu'on vient de croiser quelqu'un, on lui a fait la bise, elle m'a fait une bise, moi j'allais en faire trois. Parce que voilà, on vous a dit que nous on fait trois. C'était un peu le thé. C'est pas du tout là, là-bas. Ah si, peut-être. Les collages, non? Collage. Je sais pas. On est censé trouver de la pâte à fixe. Pourquoi vous courez? Bah c'est pas des jeux qu'on cherche, je sais pas ce que c'est. Attendez, on se calme et on se concentre. On se calme, on se concentre. Je suis pas plus concentrée. Voilà, bonjour les grosses mères. Et de retour avec eux. On a dit non. On n'a pas aimé. Non, elle a tellement. On n'a pas aimé le nom. Fais des propositions. Faire un petit concert. Libéré, délivré, je mentirai. Allez, voilà. Allez. Ouais. Allez. Voilà. T'es nul. T'as quoi du copyright, je pense. Oui. Thank you.
Dieu. Dindon. Mimia. C'est le retour des vlogs de Marlon. Non. Oui. Where is she being, Serene? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Il a touché la flemme. Trop tard. Il s'en est passé des choses. Du temps. Je sais que des choses, du temps, il s'est passé beaucoup d'événements. Nous avons l'électricité. Ah mais regardez. Vous avez vu toutes les vidéos, il n'y avait pas de contexte, et bien vous n'en aurez pas. Non, en vrai, au montage, je ferai un peu de contexte parce que voilà. Et ce vlog a pas beaucoup de sens. Parce voilà. Que c'était un vlog déménagement normalement. Et ça se termine en vlog Ikea, anniversaire surtout, sortie catastrophique, enfin... Allô ? Allô, bébé ? Oui, désolée, j'étais en train de faire un truc. Ah, oui, tu réponds pas. Pardon. On vient de trouver une casserole. Là, on y va. Non, ça va aller. D'accord, bon, bah, on se rappelle tout à l'heure, bisous. Tu réponds. Oui, d'accord. Bon bref, du coup on va chercher une casserole. C'est ça. Bye.